on va pas se manquer ce coup-ci. Tout comme la terre, ses feux de forêt, ses quelques secousses ici. On n'aura jamais su comment consommer avec parcimonie. L'être humain sera donc mort par sa monnaie, ses manies en un moment. Vraiment, c'est ça qui nous attend. C'est peut-être pour ça que parfois je me sens perdant et que je le sens dedans, et très sèchement, entre segments, à certains moments, et ça m'émeut, comment faire mieux? Alors qu'ici on fait du mieux qu'on veut. C'est dommage, c'est ça que je vois sans équivoque, qu'un reflet bête, ou la planète boite, ou même l'avenir, même plus ses bottes. But wait, est-ce qu'on peut reculer dans le couloir afin de remanier l'histoire? Afin de revoir une planète bleue, pas une boule noire remplie de déboires, qui terminera sa partie dans l'abîme comme au billard? À l'aube du crépuscule, je vois juste un monde à l'envers quand je pense à notre ère. Est-ce que ma fille manquera d'air? Voici la question que je me pose trop souvent. Moi je veux sentir la brise plutôt que ces vents violents, car je me sens seul au volant, perdu, perdant, et c'est décevant, j'en suis conscient. Je trouverai peut-être le mot gagnant quelque part dans l'océan, dans les zones basses ou les abysses, quand le courage passe dans le précipice. Ça sera clairement pas sur place ni en surface, donc je me surpasse avec une audace apeurée, dans un monde à faire des flammes pleurer. Je crierai en manque de souffle avec l'espoir d'espérer, d'inspirer, de respirer, de gagner. En réalité, il nous reste combien de temps alors qu'il ne reste que nous et des restants?